GF, es-tu déjà allé à Paris? Non. Sais-tu c'est où Paris? Non. Sais-tu c'est quoi Paris? Non. Sais-tu comment est plaît Paris? Ben, la 19e lettre, c'est un 3, me semble. Bon, ben là, faut que tu écrives un reportage sur Paris. Pour commencer, as-tu quelque chose à dire sur le voyage lui-même? Ah, ben, aux douanes, à chaque fois que je voyage, je prends toujours le même douanier. Il me harcèle. Il te harcèle? Oh, je te dis, il m'harcèle à chaque fois. Ben, c'est quoi son nom? Marcel. Bon, rendu à Paris, qu'est-ce que t'as fait? T'es sûrement allé aux Champs-Élysées. Ah, ben, ça se peut. Je me chantais une chanson sur les Champs-Élysées pour m'en rappeler. Tu sais, il y a une chanson qui parle des Champs-Élysées. Comment elle s'appelle déjà? Ben, là, c'est évident. Ah, mais oui, je me souviens, c'est l'Aigle Noir, c'est sûr. Bon, autre sujet, le Bois de Boulogne. Le Bois de Boulogne? T'es allé là, non? Oui, le Bois de Boulogne. J'ai même rencontré un monsieur qui m'a fait manger sa saucisse. Bon, là, écoute, JF, là, ce genre d'anecdote-là, là, les gens veulent pas savoir. Là. C'est peut-être mieux de passer ça sous le silence. Mais pourquoi? C'était bon. Regarde, il m'en reste un morceau de sa saucisse. Je l'ai même ramené. Hein? Un morceau de sa saucisse? Ben oui, regarde, une vraie saucisse. Pas pire, hein? Ah, puis ça vient du Bois de Boulogne, ça. C'est bizarre, ça me fait penser à un autre type de saucisse que j'ai déjà vu dans un restaurant. Passe-moi donc ça. Ouais, tiens, prends-la. Oups, je l'échappe. Boulogne! Bon, on ramassera tantôt. Là. Oh, je sais, à moins que je parle de la grosse église avec l'histoire célèbre qui parle de l'acharnement de Gilles Vigneault. Ah, qu'est-ce que tu dis là? Il n'y a pas d'histoire qui parle de l'acharnement de Gilles Vigneault à Paris? Ben oui, le bossu de Natasha Quinn. Bossu de Notre-Dame. Ah, ça se peut. Bon, regarde, je t'ai préparé un fichier sur le Louvre. Commence par écrire une capsule là-dessus. Le Louvre? Ok, fichier, le Louvre. Ah ouais, grouille. Oui, attends, le fichier, il faut bien que je l'ouvre. Pourquoi tu ris? Ça fait un jeu de mots. Avec le mot fichier, c'est ça? Pas pire, hein? Et ça a dû être un beau voyage pour toi. Cette GF, t'as le sens de l'humour aussi développé que les Français. Ah, il n'y a pas une peinture célèbre au Louvre. C'est quoi déjà son nom? Ben là, c'est toi le reporter. Allô? Hey, t'es-tu reporter, toi, là? Oui, je suis apprenti reporter. Apprenti? Oui, apprenti. Apprenti, comme dans S'apprenti et maudit cave pour écouter tes reportages? Écoute-moi bien, mon petit Paul Arcand en plastique qu'on accroche sur l'arbre de Noël. Ma blonde et moi, on fait un mot croisé puis on est pognés. Comment s'appelle la sœur à Bart Simpson? La sœur à Bart Simpson? Lisa. C'est Lisa, monsieur. Hey, Mona! Lisa! Mona, Lisa, la peinture célèbre. Je savais que ça me reviendrait. Hey, merci, mon petit grain de beauté de Kotkaniemi, toi. Salut. Bon, regarde, d'avoir sorti la carte. Y a-t-il un lieu qui t'a fortement inspiré? Ah, ben, y a le Moulin Rouge, ici. Hein? Ici? Ben non, le Moulin Rouge est pas ici. Ben oui, me semble, le Moulin Rouge est dans ce quartier-là. C'est logique avec un nom de quartier osé comme ça, non? Bah, qu'est-ce que c'est ça? Comment ça? Quel nom de quartier osé, là? Ben, Pénis Montant. Ménil Montant.